Pouet, ici Sky the Pouet, quand on est en plein Atlantique Nord, il y a un bateau anglais devant et un chasseur de pirates au loin qui vient pour tenter de nous couler. Et la mission est juste en face de nous. Donc c'est le manoir du Captain Cook. C'est parti! Master Cormac, je ne m'attendais pas à vous revoir aussi vite. J'ai trouvé les plans de la véranderie, mais ce démon a utilisé un code que je ne comprends pas. Peut-être y verrez-vous plus clair. Étrange. C'est un code très ancien. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je peux vous dessiner une carte. Oui. Vous pourriez aussi m'accompagner. Et me conduire jusqu'au chevalier. Je vois que l'affaire est pressante. Fort bien. Nous ferons route ensemble. J'ai cru comprendre que tu connaissais bien le chevalier de la véranderie. Nous nous détestons mutuellement. J'aurais dû partir lorsque mes amis ont accordé leur confiance à cette charogne. Seigneur, qu'a-t-il bien pu faire pour mériter pareille rancune? Il est le digne héritier d'une famille d'explorateurs qui repousse les frontières du monde connu. Je ne l'ai pas côtoyé longtemps, mais assez pour subir son humeur irascible. Des mots encore bien trop polis pour désigner cette misérable vipère. Ses actes ne valent-ils pas mieux que ses paroles? C'est sans doute ce que retiendra l'histoire, mon cher Cook. Et l'histoire retient toujours le plus important, n'est-ce pas? Master Cook, jusqu'où avez-vous exploré le sud? Oh, pas bien loin. Jusqu'à Nantucket, dire plus. Je connaissais un gars de là-bas. Mais peu vous importe. N'êtes-vous jamais allé dans les Caraïbes? Pas encore, mais les Caraïbes sont déjà bien explorées. Ah. Vous cherchez donc un défi à relever? Oui, je le confesse. Mes talents se prêtent davantage aux régions nouvelles, comme Terre-Neuve et Labrador. Et si j'avais vu une carte que je n'aurais pas dû voir? Une affaire délicate? Diplomatique, peut-être? Peu importe. Sur cette carte figuraient des terres, vierges de toute présence humaine, vierges de notre empire. Des terres inconnues? Vous piquez ma curiosité. Où est-ce? Au sud du Japon et de la Chine, aussi loin à l'est de Madagascar que Lisbonne l'est de Boston. Mais ces mers sont désertes. L'intendance ne suivrait pas, il faudrait emporter des vivres en quantité prodigieuse pour faire ce voyage. Des tirs de canon, au cœur de la brume. Est-ce le chevalier qui fait feu? Peut-être. Leur expédition est secrète. Ils ne veulent probablement pas s'embarrasser de témoins. Faites gonfler la grande voile! Là, il fait pas beau, pas beau, là. Vraiment un temps de merde. On approche du but. Navire en vue! Oh, d'accord. Espérons que nous n'arrivons pas trop tard. Nous sommes cruellement désavantagés. Gagnons le terrain. Morrigan sera à la hauteur. Il bouge! Arrête! Je sens qu'il essaie de me... Non, c'est bon. Allez, on prend des gants. Feu!
Le navire mère. C'est quoi ça? Wolverine? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est une frégate. Navire du chevalier, c'est un manoir. Là, il a juste envoyé des éclaireurs. C'est un véritable fléau de l'enfer. Elle ne nous retardera pas longtemps. Peut-être même nous aidera-t-elle à les surprendre. Eh ouais, c'est un manoir. Une embuscade! Maîtrisez le navire! Où sont-ils? Apportez le mortier, c'est tout ce que je sais! Là, par l'avant! Oh là là, il y a une chier d'iceberg là. Ça va être génial. Ne percutez pas les icebergs. Il est là-bas. C'est bon, je l'ai vu. C'est le Gerfo. Merde, je vais me prendre un iceberg. Fidèle à sa réputation, de la véranderie a dû rester en arrière pour nous arrêter. Il se fera un plaisir de nous barrer la route. Tiens, mange. Oh là, il est monstrueux son bateau. Super vite. Visiblement, le feu, il en a rien à foutre. En tout cas, ça démonte bien. Là, je me suis pris un iceberg. C'est terrible. Et voilà. Voilà comment on flingue un manoir. Bon, ils vont réussir. Je sens que c'est un poil de guet là, parce que je suis passé en mode abordage, mais avec avec l'iceberg en plein milieu, ben, ça marche pas. L'iceberg ne peut pas casser. Je kiffe les... Alors on va faire... Recharger... Checkpoint. Parce que là je peux plus rien faire là. Et ouais, il y a des bugs comme ça. Voilà, un iceberg en plein milieu. Barrez à l'abordage! Ne coulez pas! Nous devons récupérer les cartes du chevalier! Voilà, là je vais pouvoir l'aborder bien comme il faut. Gardez les huiliers et les vieux moquets! Allez, vas-y. Alors j'ai la dague à corde sur moi. Alors là, je vais me rapprocher de leur main. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, fais un petit vol plané s'il te plaît. Merci. Voilà, c'était sur moi qu'on était en train de tirer, je suis pas content. Désolé mon cher. Alors éliminer de la véranderie. Ça pourrait être marrant de le prendre. Je sais pas si je vais y arriver. Mais... Je suis trop haut. Donc il faut qu'on descende encore un chouïa. Voilà, là je suis bon. Je sais pas si je vais réussir à l'attraper. On va voir. On va voir si c'est faisable. Là je vois rien. Bon, c'est pas lui. Si on essayait par là.
vois que la de la véranderie fait n'importe quoi. Merde, putain, ça y est. Ah, mais là, je peux pas lui lancer. Non, c'était pas lui. Voilà, là, c'est lui. Alors, paysan, tu te ranges toujours derrière la cause des Templiers sans le moindre doute. Sale chien ! Achille et Liam font déjà route vers le nord ! Le Mentor avait raison. Je fais une bonne diversion. Il ne reste plus que Liam, du coup. Merci pour votre aide, Capitaine Cook. Je vous en prie, Capitaine Cormac. Naviguer à vos côtés ne manque pas de piment, si j'ose dire. Les ennuis finissent toujours par nous trouver. Dites-moi, messieurs, faites-vous partie d'une organisation plus vaste? Le Conseil de l'Amirauté. Vous prenez vos ordres et rendez compte directement à Sa Majesté, n'est-ce pas? Navré, nous n'avons pas le droit d'en parler. Ces cartes vous reviennent. De la véranderie n'en aura plus l'usage. Nous reparlerons du financement de vos futurs voyages, capitaine. J'en serai ravi. Si, ça m'a pas compté les icebergs, c'est très très bien. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah ouais. Bon, et bien voilà. De la véranderie est mort. Il ne reste plus que Liam et Achille. Mais bon, Achille, on sait très bien qu'il va survivre vu qu'on le voit, on le revoit dans Assassin's Creed 3 avec Connor. On sait déjà qu'il va survivre. Par contre, je pense que ça ne sera pas le cas de Liam. On va sans doute retrouver dans la prochaine mission. D'ailleurs, combien il reste de missions? Ce serait intéressant de le savoir, ça aussi. Séquence 6. Ouais, donc là on est dans les dernières séquences et bah, visiblement la prochaine sera la dernière. Enfin oui et non, parce que la prochaine sera la dernière des séquences de cette époque là et puis après on aura donc la dernière séquence qui se passe des années plus tard à Paris. Voilà. Donc, eh ben, moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine mission, qui sera sans doute la dernière, visiblement. Et dans la prochaine vidéo, tout simplement. Allez, salut !